été mis en place à permanence au niveau des mairies. Et donc aujourd'hui, nous sommes aux Abîmes, au centre de ressources précisément, où nous assurons le lien avec les différents administrés, avec les différentes personnes qui ont des demandes d'électricité. On donne des éléments de réponse, on demande des documents, on explique et on arrive aussi à résoudre certains soucis si on peut le faire. Ici, nous avons un outil qui nous permet d'être attaché directement au réseau au CIMEC, donc j'ai accès à tous les fichiers, à tous les dossiers et je peux répondre facilement à la requête des différents pétitionnaires, comme on les appelle, les clients, encore les administrés. Le CIMEC, sa compétence première, c'est l'extension des réseaux. On réalise du réseau. Le réseau permet d'alimenter plusieurs maisons compartiments branchement, puisque le branchement va concerner uniquement une maison qui sera rattachée à l'électricité. Donc nous travaillons uniquement sur le réseau, sur l'ensemble du territoire, hormis certains centres comme le centre des Abîmes, le centre-ville des Abîmes, le centre-ville de Basse-Terre. Nous avons également la compétence pour la réalisation de renforcement, c'est-à-dire que dans une zone, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'électricité par rapport à la demande. Vous avez des zones qui sont ouvertes au fur et à mesure, viabilisées, ou par exemple, il y a des projets communaux pour une zone commerciale ou encore pour une zone d'habitation, tout simplement. Alors, n'ayant pas suffisamment de puissance électrique dans la zone, nous, on intervient à ce moment-là, bien entendu, en partenariat avec EDF pour faire justement ce renforcement et permettre d'avoir suffisamment d'électricité par rapport à la demande actuelle ou future. J'aime bien l'idée de la ville des Abîmes d'avoir réuni les gens du CIMEC pour nous expliquer comment procéder pour le branchement électrique quand on est loin du réseau ou même quand on est à 30 mètres du réseau. Je trouve très très bien cette initiative, comme ça les personnes qui sont mal informées pourront venir et ils auront l'information, la bonne information. Parce que c'est vrai, on entend des choses par-ci et par-là et souvent on se sent désorienté, déboussolé, on ne sait pas quoi faire. Mais là, je pense avec cette initiative de la ville et du CIMEC, on sera plus informé. J'aimerais que ça soit un peu répandu, beaucoup plus répandu, qu'il y ait beaucoup plus d'administrations qui se rapprochent comme ça de tout le monde, et de monsieur tout le monde, et qui puisse permettre une vraie information correcte soit répandue. Parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, et puis souvent on se retrouve à ne savoir que faire, à ne pas bouger. Pour passer à l'action, il faut savoir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on... Et ça, c'est la meilleure des initiatives pour l'intérêt.